Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le coin des jeux et trophées. Je fais une seconde vidéo de Rage 2, donc là ça va concerner les véhicules et l'exploration justement du monde ouvert. J'ai fait une première vidéo, donc si vous voulez pas être spoilé, on a juste fait l'intro sur la première vidéo, j'ai juste proposé l'introduction du jeu sur la première vidéo où on voit un petit peu les combats justement et le didacticiel des combats aux armes à feu et les différents pouvoirs. Là, on va juste montrer tout ce qui est exploration et véhicule, comme je l'ai dit. On va peut-être d'abord voir, je crois que c'est ici, donc le menu. Donc c'est pas journal, c'est pas inventaire. Oui, donc là c'est les pouvoirs. Donc on voit un petit peu les différents, voilà, différents pouvoirs débloquables. Donc voilà, là on va partir dans les projets plutôt, les véhicules, justement on va regarder un petit peu ces véhicules puisque la vidéo parlera de ça. Donc on a débloqué celui-ci, le premier, le Phoenix, mais on a la possibilité de débloquer bon, les motos, des tanks, véhicules volants. Donc après on a la possibilité, si j'ai bien compris, de fabriquer les véhicules des différentes factions du jeu, des différentes factions ennemies du jeu. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se lancer regardez un peu qui voilà. Dans le didacticiel. Ranger, c'est ça ? Chez Phoenix. Je suis belle et je sais conduire. Et si on allait faire un tour, toi et moi? D'accord, une voiture qui parle. Ok. Voilà, on a justement cette impression de déjà vu pour ceux qui ont fait Mad Max. Donc on a le frein, on a l'esquive, si je ne dis pas de bêtises, c'est avec triangle. On a le frein à main et on a, donc là c'est pour quitter le véhicule carré, et on a le boost. La route est barrée et pas par une main innocente. C'est une embuscade à tous les coups. Ouais. Essaie de débloquer ce truc. Bonne chance. Alors les explosions sont assez impressionnantes, je trouve. Ouais, moi je fais tout péter, j'adore ça. D'accord, donc là les...
complètement surfait les barrages. Il y aura la voie niveaux. Est libre. Ouais, l'Alliance va adorer. Carrément. Carrément. Défonce ma caisse, quoi. Activation des systèmes. Alors, on va essayer de se rendre à l'objectif. Est-ce que j'ai la carte? Oui, j'ai la carte. On va jeter un œil à coup à la carte. Donc ça, c'est les personnes à... On va commencer par la plus proche. D'accord, donc on a un marquage au sol qui nous indique la route à suivre. Toujours cette couleur rose. Walker, écoute-moi. On va bien voir le maire Louzem, pas vrai? Walker. Ah, je peux récupérer d'autres véhicules. Personnellement, je préfère la mienne. Là, je viens de débloquer un trophée, l'ennemi de mon ennemi, mais je ne vois pas à quoi ça correspond. J'imagine que c'est parce qu'il y a deux factions et que j'ai, comme j'ai dû interférer. On a un multiplicateur aussi, donc ça doit être au moment où on fait les skills. Donc je dois éliminer la sentinelle, on va faire cette mission secondaire. Ah oui, d'accord, c'est ça.
vois pas trop ce que je dois faire. À part vider mon chargeur, je vois pas ce que je vais faire d'autre. Des vagues d'ennemis. Oula. Je pensais avoir des vagues d'ennemis. On va essayer de trouver quelque chose quand même. Oula. Ça pardonne pas. J'ai essayé d'esquiver comme ils ont... comme ils m'ont appris. Mais je n'ai pas réussi. C'est un peu chaud en début de jeu quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de munitions, on n'a pas beaucoup d'armes non plus. Cette grosse tour est complètement hors service. Génial. On y trouve généralement de précieuses technologies. Récupère tout ce que tu peux. Bah, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à récupérer. Ce n'est pas grave. On va repartir sur notre objectif principal. Activation des systèmes. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. On peut faire une course. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Ok, et bien c'est parti. Montez-vous de mon passage. Je vous maudis.
mission atteinte. Ok. On peut améliorer le véhicule, donc ça c'est pas trop une surprise. La carte m'a l'air quand même bien grande. Il y a de quoi faire. Donc on va regarder un petit peu le trajet que j'ai fait déjà là. Elle m'a l'air quand même assez grande la carte. Des crânes, dégommer des mutants à l'appel, ce genre de choses. Pas intéressé. Je cherche John Marshall. Ah ouais, eh ben il se trouve que c'est lui qui cherche une fine gâchette. On a un problème de mutants à Gun Barrel. On peut rien faire tant qu'on n'a pas réglé cette putain d'infestation. Ouais, on verra. Il est où ? Il est au tir à blanc, comme d'habitude. Vous le raterez pas. Vieux, plein de cicatrices, méchant, jambes bioniques, œil bionique. Le genre mi-homme, mi-robot, vous voyez. Je vais aller voir. Et écoutez pas le faux robot d'accueil. Et puis n'essayez surtout pas la chimie Shanga Bouyabash. Enfin, sauf si vous voulez reprendre le bar avec votre vomi. Alors, on a des marchands. C'est le bon moment pour revenir à Gun Barrel. On patauge littéralement dans la merde, et un ranger débarque après nous avoir ignorés pendant des années. Sacrée journée. De quoi vous parlez? Vous êtes qui? Je m'appelle Zam Wilco. Je dirige la milice de Gun Barrel, à la place de Marshall. Écoutez, si les grands rangers veulent se salir les mains, c'est pas moi qui vais me plaindre. J'ai une urgence à gérer au nord d'ici. Des pillards se sont emparés de la ferme Newman. Vu qu'il s'agit d'un fournisseur alimentaire important du coin, ça nous arrange pas. J'ai besoin de tous mes hommes ici au cas où les mutants retenteraient un assaut. Alors, vous pouvez nous aider ? C'est demandé si gentiment. D'accord, donc elle donne des missions. Ok, elle m'a donné une mission. Ici, on a les primes. On va tous les prendre. Ça rappelle aussi Borderlands. C'est dans la même
dans le même genre. Elle va me donner une mission aussi. Regarde, Patsy, de la racaille avec des armes. On dirait... Bonjour, je suis Rory Saint-Hill, le célèbre baron du commerce. J'ai fait la route depuis Wellspring afin de recruter du monde pour une mission risquée contre des cramés. Attendez une minute, vous ne faites pas partie des cramés, hein? Je n'ai absolument rien à voir avec les cramés. Vous aimez les cramés? Ah, bien sûr que non. Un véritable fléau de la société. Récemment, ils ont eu le culot de s'emparer de Gaz 4A, ma raffinerie de gaz dans les collines du Sud. Ils s'en servent pour fabriquer de la nitro. De combat, bah cette nitro est à moi! Je sais que c'est du suicide de les attaquer chez eux, mais je vous paierai une somme rondelette pour leur donner une bonne leçon. Personne ne vole Rory Saint-Hill. Alors, vous en dites quoi? En général, je flingue du cramé gratuitement. C'est respectable, mais votre sens des affaires est médiocre. Vous savez, avant, j'étais plein aux as. J'avais un petit comptoir commercial, en pleine campagne. Je m'en sortais bien. Assez pour m'occuper de ma famille. Et puis un jour, les cramés ont débarqué. Ils m'ont tout pris. Ils ont tué tout le monde devant moi. Et j'ai rien fait. Je me suis enfui. Je me suis enfui. Comme un sale lâche, c'est fait. J'entends pas mal parler des cramés ces derniers temps. Avant, on n'avait pas souci d'eux, mais aujourd'hui, ils sont partout. Armés jusqu'aux dents et bien équipés. Et sans aucune pitié. Ils recrutent en masse. Les petites frappes n'ont aucune chance. C'est les cramés ou la mort. Pas terrible comme choix. Vous ressemblez à ces vieux rangers. Je dis ça comme ça, mais je me sentirais mieux si ces salauds cramés payaient pour leurs crimes. Salut, Ranger. Hé, la terreur. On va causer un peu avant que t'entres. Salut, bébé. Appelle ta mère que je te recommence. Vous êtes pas du coin? Ici, c'est le tir à blanc. Meilleure bouche de Gun Barrel. Y a du monde. Et pas que détendre. Marshall compte sur moi pour que ça dégénère pas ici. Je m'appelle Saul. Saul TV. Pas de soucis. Je viens pas chercher la merde. Tant mieux pour votre gueule. Après, vous avez l'air d'aimer l'action. Allez voir l'arène de Mutant Bash, au nord. C'est génial. Le meilleur spectacle qu'on puisse trouver. Gaffe à ces putains de mutants. Ouais. Avant, j'étais avec les seigneurs des montagnes. Les trucs que j'ai vus là-haut dans leurs bâtiments de combat. Tous les trucs qu'ils ont. Du matouche de folie. Des flingues. Et des tas d'autres trucs. Et ça. Ça, c'était avant que les seigneurs des montagnes. Salut, nous cramer. Ils se barrent. Ils m'ont laissé en plan, et puis... Je me suis barré vite fait, sans me retourner. J'ai laissé tous ces jolis flingues là-bas. Ils doivent toujours y être. Ils sont toujours là-bas. Allez, c'est ma tournée. Oh ouais. Je vous aime bien, moi. Je te le dis, tes infos sont pas fiables, Kilo. T'as
Donne-moi juste une petite gorgée et marche. Non, t'auras pas une goutte si tu ne me donnes pas plus d'infos. Je te dis la vérité, marche. Vineland est mais détruite. Ouais. Voyez de la carte par de méchants cybermutants. Je ne te crois pas, Willow. Tu veux seulement que je te rince encore à l'œil. Vineland est détruite. Tiens, tu vois, j'avais raison. N'avale pas tout d'un coup. Un ranger. On n'a pas vu de ranger ici depuis des lustres. John Marshall, soldat légendaire de la Résistance, héros de guerre. On a grandi en écoutant des histoires sur lui. J'avoue que je m'attendais à plus... impressionnant. C'est pas possible. Les défenses de Vineland sont impénétrables. C'est ce qu'on se disait tous. On les attendait pas. On n'attendait pas l'autorité. Ils sont revenus. J'imagine que tu es là pour le projet d'AG. Le problème, c'est que nous aussi on est assiégés. Des mutants. Ils bouchent notre générateur à turbine dans les égouts. Alors, si quelqu'un pouvait s'en occuper... Si ça me permet de réactiver le projet d'AG, dites-moi quoi tu es et où. Tu comprends vite. J'ai envoyé tous les porte-flingues qui sont pointés, mais ils sont tous morts. Je reviens tout de suite. Je te conseille de passer par la case marché avant de t'aventurer dans ces égouts, Ranger. Si tu me ramènes une puissance pareille, on pourra relancer le projet d'AG. Elle est juste là, l'affaire du siècle. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, à bientôt. N'hésitez pas à revenir. Allez, c'est Marshall qui vous envoie. J'espère que vous avez un atout dans votre manche. Il y a un courant souterrain dans ces vieux égouts. On l'a redirigé vers une turbine d'alimentation. Comme ça, on est entièrement indépendant. On génère notre propre énergie. Plus besoin d'acheter de la feltrite à des arnaqueurs qui trafiquent le marché. On ne repose plus que sur Mère Nature. Et ça marche bien pour vous ? Eh bien, à part certains contretemps, comme par exemple une invasion de mutants qui bloquerait la turbine, drôle, on a notre propre courant. Et puis, on trouve toujours un mercenaire engagé si ça part en couille. C'est tout ce que je suis, un mercenaire? Mais bien sûr que non. Toi, t'es un ranger, ça n'a rien à voir. Tu es beaucoup plus coriace. C'était juste pour vérifier, Marshall. Juste pour vérifier. Thank you.
Marshall, vous saviez qu'il y avait une arche ici? Elle est juste là. Ah ouais? Tu as peut-être les nanotrites qu'il faut. Essaie de voir si tu as le sésame pour l'ouvrir. Veuillez approcher du scanner de sécurité. Scanner de sécurité terminé. Bienvenue dans l'arche. 402A. Putain, c'est un fusil Arctec! Waouh! C'est la première fois que j'en vois un. Fusil à pompe, hein, nickel. C'est exactement ce que je voulais en plus. Voici le fusil à pompe. Une arme imparable au corps à corps pouvant repousser les ennemis. De précision, le plomb des cartouches fond pour former une seule cartouche solide qui repousse grandement la cible. Qui l'arrache en deux même. Séquence terminée. Utilisez l'overdrive du fusil à pompe contre les ennemis simulés. D'accord, chaque arme a un overdrive. Canon à impulsion, hyper canon, je vois pas trop ce que c'est, revolver, ok. Et un lance-roquette. Ah d'accord, donc en fait j'ai le droit d'avoir qu'une seule arme à la fois, j'ai pas le droit d'avoir fusil d'assaut, fusil à pompe. C'est un peu naze ça, non ? Peut-être après, par la suite, on pourra attribuer les armes qu'on veut. On peut augmenter la puissance des armes, donc il y a possibilité d'évoluer les armes, de faire évoluer les armes.
Alors, je viens de comprendre qu'en tirant sur les caisses de munitions, on pouvait les récupérer. Yeah.
Je suis à la turbine. Vous aviez raison. Elle est bloquée par une sale bouillie mutante. T'as atteint le cœur du territoire mutant en un seul morceau. Impressionnant, Roger. Bien. T'as plus qu'à trouver le couvercle et à l'ouvrir. Ensuite, tu pourras évacuer tout ça. Ok. Un boss, manquait plus que ça. Bon, ça va, l'avantage c'est qu'il est tout seul. À se guider. Et après ? Quand tout sera évacué, ferme le couvercle. Ça redémarrera la turbine. T'as réussi. Ces mutants, c'était pas de la merde, Ranger. Et tu les as tous éclatés. Eh ouais. Et maintenant, j'ai bien envie de me casser. Ça pue encore plus que dans une fosse septique de caserne là-dedans. Ah, mais ça va être facile. Il y a un vieil ascenseur de service quelque part. Il remonte directement dans mon armurerie. Docteur Kvasir, Lousomagar et ton sergent Prolet. Tu la connais, Arvina Prolet. C'est elle qui m'a élevé. C'est grâce à elle que je suis devenu la terreur que vous voyez. C'est bien ce que je me disais. Mais toi, t'as un truc en plus. Comme si tu tenais de la pire peau de vache, mais aussi de la meilleure. Elle s'en est pas sortie. Elle est morte durant l'attaque. Oh, pardon, Ranger. Mes condoléances. Enfin, ça explique pourquoi t'es là à la place de problème. Tout ce qu'il faut pour écraser l'autorité. Amen. Au fait, comment je dois t'appeler ? Appelez-moi Walker. Ok, Walker. Ranger Walker, te voilà. Voici mon armurerie.
ma base d'opération. Je vais pouvoir travailler sur le projet DAG ici. Je ne sais pas si... T'auras besoin de tout ce qui peut te servir. Faut que j'y aille. Ok, bon. Je vais m'arrêter là pour ce second gameplay. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Donc vous voyez qu'on a les projets à finaliser, tout ça. On a pas mal de choses à gérer. Donc déjà au niveau des projets, on peut améliorer les armes, on peut améliorer les véhicules. Là, ici, j'ai débloqué les projets justement basiques. Après, on a les projets de John Marshall. Donc voilà, quantité de munitions supplémentaires. 6 projectiles de chaque type, voilà. On peut améliorer son personnage comme ça, avec l'aide des personnes à retrouver justement sur le pour le projet DAG. Donc on a John Marshall, là je vais devoir retrouver le Zoom Agar, et le docteur Gvasir. Donc voilà, en tout cas moi j'espère que la vidéo vous a plu, a pu vous donner une idée sur le jeu. Si vous hésitiez à le prendre ou à l'acheter, voir un petit peu ce que ça donnait. Moi personnellement, mon avis personnel est plutôt bon. J'avais joué au premier que j'avais beaucoup aimé sur PS3 et sur PC. J'avais préféré la version PC, forcément était beaucoup mieux faite, ça bavait un peu moins que sur PS3. Mais la PS3 était connue pour ça, hein. Était connue pour avoir un Skyrim déjà pas terrible. Et d'autres jeux comme ça, à part les Uncharted, il n'y avait pas grand chose qui était très beau. Donc voilà, en tout cas, au niveau du gameplay, moi ça me plaît bien, c'est complètement déjanté, c'est dans la même lignée que Bulletstorm et Doom. C'est vrai que c'est un beau mélange, et en tout cas un bon gameplay. Donc voilà, j'espère que ça va évoluer avec le temps, et que les armes seront de plus en plus intéressantes. Mais en tout cas voilà, moi j'ai beaucoup apprécié le jeu, du moins le début. Et voilà, j'espère que vous aussi, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.